dites-moi ce que vous pensez de ce beau bébé en commentaire. Je vais commencer par la face avant du véhicule avec ces beaux feux énervés qui rendent la voiture très très agressive. Donc c'est des feux LED, juste siglé ici IQ Light. Je sais pas ce que vous pensez de ces feux qui rendent vraiment la voiture très très énervée. Ensuite on a le logo Volkswagen juste ici avec la barre lumineuse derrière, siglé juste ici Air Performance. Et cette grande entrée d'air centrale et latérale en noir laqué. Sur le capot, on retrouve les grandes lignes. Je sais pas si on peut bien les voir en caméra, ce qui rend la voiture très très agressive. On se retrouve sur le côté du véhicule pour vous parler un petit peu de ces jantes Estoril de 19 pouces. Donc ils sont noirs avec des finitions brillantes. En ce qui concerne le système de freinage, donc c'est pas un système de freinage céramique. Il y en a qu'un en acier. Et bien sûr avec un étrier de frein bleu fixe à deux pistons, donc siglé R. On va continuer sur le côté du véhicule. On retrouve encore le petit sigle Air Performance juste ici. Et en ce qui concerne les coques de rétro, alors je sais pas ce que vous en pensez, donc c'est des coques rétroprojecteurs chrome mat. Moi personnellement je trouve que ça fait un contraste avec le lapis blue, la couleur lapis blue de chez Volkswagen. Donc maintenant je vais vous parler un peu de l'arrière de la bête. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'adore cet arrière avec le petit béquet qui est juste incroyable. On va parler du coup un peu de l'arrière de ce beau bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très agressif avec ses feux et ses quatre sorties d'échappement. C'est juste incroyable. Regardez la taille de l'aileron. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport à la voiture? Ça lui donne un côté très très agressif à cette petite. Comme je vous le disais, on retrouve donc le petit aileron juste ici, en noir laqué. La vitre teintée, les nouveaux feux. Bien sûr, le logo de chez Volkswagen, le petit R juste en dessous et le diffuseur avec les quatre sorties d'échappement Air Performance. Mais regardez-moi ça.